La CIA Ajaccio 4e accueille Dijon 14e. Les Corses ont perdu 3 de leurs 5 derniers matchs, mais il y a tout de même eu 2 victoires. Et c'est étonnamment le même bilan pour Dijon. 3 défaites sur les 5 derniers matchs avec 2 victoires. Les deux équipes ont donc suivi à peu près le même chemin. Olivier Pantaloni fête lui son 348e match sur le banc de la CIA Ajaccio en Ligue 2 BKT. C'est le meilleur total pour un coach sur le banc d'un même club dans l'histoire du championnat depuis que la poule unique existe. Et il espère que son équipe fasse un bon match. Mais c'est Dijon, la meilleure formation dans le début de partie. Les Dijonnais marquent même un but refusé par l'arbitre. La CIA Ajaccio se remet de ses émotions des premiers instants pour à son tour se montrer dangereux. L'angle était fermé, c'est sauvé par Radjopi. Le match est relativement équilibré. Mais la CIA Ajaccio commence à prendre les devants. Attention à cette balle juste devant le but. C'est manqué par Gaëtan Courtet. Il traînait dans le dos des défenseurs et a failli pouvoir rabattre ce ballon dans le cadre. Une belle chance pour les Corses. Puis une autre sur ce ballon pas très bien dégagé. Le tir de loin, mais c'est à côté. Une frappe qui n'est pas cadrée pour Kazim Lassi. Le coup franc pour Dijon. Yacine Benzia pour le frapper, la reprise de la tête. Voici enfin le but dijonnais, une nouvelle fois refusé pour une position de hors-jeu. C'est terrible pour les Bourguignons, ça fait 2 buts refusés dans cette partie. A chaque fois, ils ont cru marquer le but pour faire la différence. Mais le score est de 0-0 à la mi-temps. Pas de réussite pour les Dijonnais, sachez jouer vraiment à peu de choses. Et en seconde période, les Bourguignons peuvent insister pour marquer enfin un but validé par l'arbitre. La CIA Ajaccio bénéficie de ce coup franc tiré par Courtet. La belle parade de Radjopi. Le gardien de Dijon en sort quelques-unes, mais ça revient devant le but avec Courtet pour la frappe. Il préfère passer, c'est intelligent. Et la finition n'est pas au rendez-vous car Radjopi sort dans les pieds du joueur adverse. Un beau sauvetage face à Simignani. On se demande bien si une des équipes va finir par marquer et laquelle. Parade de Leroy cette fois-ci sur cette reprise de la tête dijonnaise. Le point du nul est plutôt bon à l'extérieur pour Dijon. Mais reste à jouer ce coup franc pour la CIA Ajaccio. La reprise de la tête, le tir contré, c'est sur le poteau. Incroyable opportunité, à croire qu'il n'y aura vraiment pas de but dans cette rencontre. Occasion totalement hallucinante avec ce poteau, c'est à bout portant. Dijon s'en sort très bien sur ce coup-là. Les Corses commencent à se dire qu'ils n'arriveront pas à marquer dans ce match. Mais il reste ce corner à la 90e minute. Et la reprise de la tête victorieuse de Mounaïm El Idrissi. Nourri pour le corner et El Idrissi pour le seul but du match. C'est le premier but de la saison pour Mounaïm El Idrissi. C'est cruel pour Dijon qui a eu des occasions de marquer, qui a eu 2 buts refusés et qui doit s'incliner sur cette dernière action. Mais la CIA Ajaccio a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout et les Corses sont récompensés par ce but. Victoire de la CIA Ajaccio 1-0 contre Dijon.